J'ai un problème sur le Windows. Qu'avez-vous sur l'écran ? Ça travaille. Une fleur ? Non, non, je veux dire ce qui s'affiche sur l'écran. Ah ! Bonjour monsieur. Je regarde un film sur mon nouveau ordinateur et soudain j'ai perdu l'image. Et maintenant, qu'est-ce qui s'affiche sur votre écran ? Rien. Sur votre modem, y a-t-il des voyants allumés, s'il vous plaît ? Il n'y en a aucun. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste vérifier si le modem est bien raccordé à la rallonge ou non ? Il est éteint aussi. Car il y a une panne de courant. Monsieur, appelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. F de pharmacie. Pharmacie ? Madame, je n'arrive pas à accéder à mon réseau Wi-Fi. Vous avez saisi la clé Wi-Fi en dessous du boîtier ? Oui, madame. D'accord. On va la ressaisir ensemble en saisissant les lettres en majuscules. C'est quoi les majuscules? Ah, vous parlez des grandes lettres, c'est bien ça. Monsieur, faites contrôle R s'il vous plaît. Oui, je connais ça. Que se passe-t-il à l'écran, s'il vous plaît, monsieur ? Bon, rien, bon, rien. D'accord. Est-ce que vous pouvez recommencer CTRL et la lettre R ? Et maintenant ? Ah, toujours rien. D'accord. Vous pouvez juste m'expliquer comment faites-vous la manipulation, s'il vous plaît ? Ah bon, j'appuie sur les touches C, O, N, T, R, O, L, après sur R. C'est ça, non ? Ça me met le mot de passe au nom d'utilisateur incorrect. D'accord, on va répéter dès le départ, madame. Fermez la fenêtre ouverte, s'il vous plaît. Le bruit dedans vous dérange ? Pour cela, monsieur, appuyez sur le bouton démarrer. D'accord. Mais par la suite ? Vous pouvez sélectionner panneau de configuration. C'est où ça ? Ben, c'est dans le menu, monsieur. Hein. C'est dans le menu. Je ne le vois pas, monsieur. Vous pouvez bien sûr me décrire, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez exactement sur votre écran ? Il est noir. Oui, bonjour. En fait, je ne trouve plus l'endroit où j'ai installé votre application. D'accord, madame. En premier lieu, accéder à votre poste de travail. Je comprends rien du tout. Pourquoi vous me parlez de poste de travail ? Normalement, vous avez votre poste de travail sur votre écran. Monsieur, je suis en chômage, moi.
bonjour, c'est Amine. Je suis sur une activité de service client. D'après mon expérience de 4 ans, un jour j'ai reçu un appel par un client qui signale comme quoi il n'avait plus la possibilité d'émettre des appels. Donc pour faire un diagnostic, je lui demande exactement ce qui se passe sur son téléphone, enfin ce qu'il a exactement à chaque fois qu'il essaye d'appeler et tout. Et là le client il me fait, ben monsieur, quand on essaie de m'appeler ça marche pas. Je lui dis d'accord, qu'est-ce que vous avez sur votre téléphone? Il fait j'ai échec réseau. À chaque fois qu'on essaye de m'appeler ça me fait échec réseau. Je lui dis d'accord monsieur, vous faites comment pour... Comment vous avez fait pour tester? Il fait, je prends mon portable, je tape mon numéro. À chaque fois que j'essaie d'appeler, ça me fait échec réseau, ça me fait tout-doulou, tout-doulou. Et du coup, ben là, c'était tout simplement parce qu'il appelait son numéro depuis son portable en fait.